bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. Bonjour Rémi. Salut Valentine. Vous êtes le spécialiste de la petite reine de la région. Voilà, c'est moi. Alors, où est-ce que vous m'emmenez? Voilà, je vais vous emmener à Sauzois, village et montagnard. Village et montagnard, et alors c'est comme ça, comme ça, comme ça? On va s'amuser? C'est un petit peu comme ça, un peu comme ça. Pas trop comme ça? Non, ça non, va. Allez, bon. Je vais tenter. Eddie Merckx. Allez, une petite pause. Hein, ah t'es. Oui, une pause avec un panorama là. Absolument sublimissime. Pas mal, hein? Oui. Toi, Rémi, donc en fait, tu proposes différents circuits aux familles, mais on peut aussi louer simplement les vélos, les mountain bikes chez toi? Bien sûr, on a vraiment différents services, hein, simplement la location de vélo. Mmh. Donc, pour c'est la personne, voilà, il faut compter à partir de 15 euros par vélo. 15 euros par vélo, ouais. La demi-journée, c'est ça? Voilà, la demi-journée. Ouais. Alors, on livre les vélos partout dans les gîtes, dans les hôtels. Ça, c'est pas mal, quoi. Donc, c'est une livraison voilà. À domicile, si exactement, oui. Voilà, n'importe où dans la région. Voilà, dans la région, province de Namur. Et c'est le même prix, c'est 15 euros. Oui, ça reste 15 euros. Oui, ça, c'est pas mal. Et donc, si on veut, parce qu'on ne connaît rien du tout dans la région, une balade, tu peux servir de guide. Voilà, là, je peux vraiment guider le groupe de A à Z. Et alors, il faut combien de personnes minimum? Voilà, c'est bien à partir de 8. Ça, 8 personnes. Vraiment, ouais. Et c'est toujours le même prix? Voilà, là, il y a un forfait pour le guide, bien sûr. D'accord. Ça, c'est normal. Et si jamais on veut quand même être tout seul, tu as une carte hein? Oui, il y a des circuits balisés au départ de la place communale de Hanhé. Il y a 7 circuits différents. Pour les familles, c'est plus le Ravel de la Moulinier. Ça, c'est vraiment accessible à tous. Qui est juste là en face, effectivement. Juste ouais. Ici. Bah, je comprends que tu aimes ce coin, en tout cas. Il est particulièrement joli. D'ailleurs, joli à tel point qu'il y a de jolies ruines. Ah, voilà, tu parles des ruines du château de Monteil. Hein, exactement. Voilà, ça se trouve plus bas dans la vallée, hein, dans la vallée de la Moulinier. Dans la vallée. Et comment je fais pour m'y rendre? Gauche, droite? Vraiment, le plus simple, tu vas toujours droit par droit. Là, et puis tu descends à gauche, tu vas voir, c'est super facile, et puis tu arriveras. Eh bien, je crois que c'est ce qu'on va faire maintenant, direction les ruines de Montaigne. Donc, j'y vais.